La beauté commence quand vous décidez d'être vous-même. Coco Chanel. Starts as my snipers hit their marks and your guards fall down from a rifle to the heart like clap, clap, let them fall slow. I know you had your fears, you could let them all go. And most women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicating time when I really can't afford to be. I'll provide protection if you open up the door for me. Couple stares, couple texts, couple dates. Couple, I think that we're ready. Couple, I think we should wait. Are we acting like a couple? I'm just trying to get it straight. Cause I'm over here convinced that it's too early for mistakes. And then salut, salut, guys, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo glow up. Parce que actuellement je suis un peu une catastrophe. Je sais pas si vous pourrez voir, mais mes cheveux, voilà quoi, ils sont tout gonflés, mes racines et tout. Il y a des endroits en plus où j'ai des résidus, tout ça, donc on va s'occuper de faire un bain décapant de mes cheveux. On va s'occuper de mes ongles, de mon corps, etc, etc, parce que l'objectif c'est d'être fraîche pour le mariage. Je me suis déjà occupée de ma tenue, je l'ai fait moi-même au crochet. Vous avez des petites images de quand j'étais en train de la crocheter, par exemple dans la voiture, dans le vlog dernier. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Et puis bah let's go, on commence. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis bah voilà. Du coup, je vous montre un petit peu d'où on part. Ok, voilà, c'est un peu à quoi je ressemble. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Je vous ferai un gros plan de mes cheveux pour que vous voyez bien. Ok, mes ongles. Focus sur mes ongles, tu veux pas? Ça y est. Mes ongles, ils sont horribles. Donc, on va se faire les ongles. J'ai commandé du gel X, donc on va tester de faire ça nous-mêmes. En espérant que j'y arrive, ok. voilà, comme je vous ai dit, je vais vous faire des gros plans de mes cheveux parce que j'ai des résidus en fait. Et voilà, ah, on peut pas avoir ça dans les cheveux à un moment pareil. Puis je vais me faire aussi une coiffure, j'ai une idée de coiffure, faut juste que je vois comment la réaliser, mais j'ai une idée de ouf. Donc voilà, et là 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 là, vous voyez, hop là, ça c'est pas à moi. Mais en gros, c'est ma robe pour le mariage. Donc voilà, elle est juste magnifique portée, mais vous aurez le temps de voir tout ça. Du coup, je vous ai posé là pour vous montrer, mais en gros, ici, là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en fait, j'ai des résidus, et je pense que c'est à cause du gel que j'applique de temps en temps, et j'en ai sur plusieurs mèches à l'arrière de mes cheveux. Donc, on va s'occuper de ça. Pour ça, j'ai préparé un bain chaud. Je vous ai montré les étapes. Et on y va, let's go. All the magic go. I followed the rules and told you everything you had to know. Had you over every night. Every night was passionate. Plus you met my mother even if it was an accident. Je suis sortie du bain. J'ai un peu séché mais vite fait parce que en gros je vais retourner dans la douche et je vais me faire un shampoing avec le beurre, pas le beurre, avec du savon noir.
Du coup là je vais les rincer encore au savon noir et je vais bien refrotter avec l'eau chaude de la douche. En soi la petite piscine est top, c'est pas une piscine, c'est une sorte d'évier gonflable en fait. Et je l'ai trouvé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien, si j'y pense pas, dites-le moi en commentaire. Et en gros, elle est bien. Le seul truc c'est que je me suis mal placée et que du coup j'ai légèrement fait tomber de l'eau. Mais c'est pas de la faute de la piscine parce qu'en soi elle est hyper imperméable, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je montre quand même la couleur de l'eau après, ça a bien changé. Bien guys, je me suis rincé les cheveux, j'ai fait deux shampoings après avec du savon noir et toujours à l'eau chaude pour bien finir de bien enlever tous les résidus qui pouvaient rester. Donc normalement mes cheveux devraient être ok, là je les laisse sécher un petit peu et ensuite je vais commencer la coiffure et le retwist de mes locks. Donc voilà. Et j'ai failli oublier de te dire un truc hyper important que je te dis d'habitude à chaque début de vidéo. Mais bois de l'eau en fait. Bois de l'eau. D'ailleurs, je suis en train de boire avec mon nouveau petit verre que vous m'avez vu. Enfin, que vous m'avez pas vu le faire, mais que vous avez aperçu dans la vidéo précédente, le vlog précédent. Et je suis trop contente du résultat. Il est trop cute. Donc voilà. Bientôt, je vais vous en faire aussi, c'est prévu. Je bosse là-dessus les gars. Donc vous aurez bientôt la possibilité de vous commander des petits verres comme ça, so cute. Et sur cela j'ai écrit, j'ai failli les casser, sur celui-là j'ai écrit I'm exceptional. Et c'est un peu le thème en fait de mes nouvelles créations du moment. Donc le petit verre et tout, enfin vous allez voir, vous allez voir. Guys, j'ai préparé ma coiffure, je vous montre pas pour deux raisons. Un, ça ressemble à rien, parce que c'est juste la préparation. En gros, j'ai fait des tresses sur l'avant et j'ai fait une sorte de tresse couchée à l'arrière qui remonte vers l'avant. Mais ouais, comme je vous ai dit, ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est normal. Je vous montrerai pas demain non plus, n'y pensez même pas. Je vous vois vous dire, elle va nous montrer demain de toute façon. Non. Demain, je vais mettre mon durag pour me cacher jusqu'au bout. Jusqu'au moment où je vous dévoilerai la coiffure finie, ok? Donc voilà. Alors, on est vendredi après-midi, il est 14h30 à peu près ou un peu plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ongles. Du coup, j'ai pris une box comme ça sur Amazon où à l'intérieur, on a une mini lampe UV, des ongles en acrylique et on applique ça avec un petit vernis spécial pour coller en fait l'ongle sur la main et après, j'aurais plus qu'à mettre mon vernis. Normalement, c'est censé être rapide. Donc, à voir, on y va. On va essayer d'avoir de belles mains en quelques instants. Let's go. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique le primer. Et je fais ça après avoir préparé mon ongle comme d'habitude, c'est-à-dire repousser les cuticules et retirer la partie brillante de l'ongle. Et j'ai aussi couplé mes ongles à ras. Ensuite, on va appliquer la base. Donc, j'avais regardé une petite vidéo qui disait comment poser, faire une pose américaine. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette méthode. Mais j'en suis pas particulièrement fan plus que ça. Du coup, j'applique une base. Enfin, j'applique une première couche avec la base et je fais catalyser après sous la lampe UV. Une fois que c'est fait, je vais passer à la pose des ongles. Donc là, j'avais déjà appliqué quelques ongles et du coup, je vous montre comment je fais avec un seul. Je suis pas hyper douée, on va dire que je m'en suis sortie, mais je pense que je pourrais mieux faire. Il faudrait un petit peu plus d'entraînement. Et aussi, il faut dire que j'ai galéré à le mettre en dessous de la lampe après. Je pense que j'ai pas encore la technique. Parce que bah, je pense qu'il y a des endroits où j'ai pas bien collé. Je savais pas où placer mon doigt pour coller. Du coup, ça a été un petit peu compliqué.
mais on va dire que je me suis débrouillée de manière à ce que ce soit à peu près présentable en tout cas. Donc voilà, là je lime pour rattraper un petit peu les erreurs que j'ai faites parce qu'il me semble que cet ongle là n'était pas très droit. Mais en ayant limé tout ça, j'ai réussi à rattraper le coche, ça ne se voyait pas trop, ok. Donc voilà, et concernant la suite des étapes, j'ai limé chaque ongle pour qu'il soit plus brillant et ensuite j'ai fait ma pose de vernis semi-permanent, comme d'habitude. Donc voilà. Alors, pour les mains, c'est fait. De près, c'est pas ouf, mais de loin, ça fait son effet, ok. Là, du coup, je vais mettre du vernis sur mes pieds. J'ai mis où le vernis? Je vais vous montrer. Ah, il est là. J'ai prévu, du coup, un vernis de cette couleur. Voilà, pour mes pieds. Alors, guys, je pense qu'on est pas mal. J'ai les mains, les pieds, la tenue. La coupe de cheveux qui est en cours, quelque sorte. Bah, je crois que j'ai rien oublié. Je suis épilée. J'ai pris du maquillage, du parfum. Non, je crois qu'on est bon. On a les chaussures aussi. Ouais, on est bon, on est bon. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon gros glow-up de demain. Et pour du coup, le mariage. Je suis trop contente et excitée, contente pour ma pote. Tout ça, et puis au revoir aussi d'autres amis, parce que il y a des personnes que j'ai pas, enfin, il y a une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, donc on va se retrouver, ça va être cool, ça va être bonne ambiance, tout ça, donc j'ai trop hâte, et puis j'imagine même pas dans quel état doit être ma copine à ce moment-là, parce que c'est quand même un moment important, un mariage, quoi, donc j'ai vraiment trop trop hâte. It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say, yo, tell the girls I wanna meet her. One second time, that ain't the way to go. I gotta give her game proper. Spit it so she get it, there she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a smile? Donc je voulais me maquiller dans la salle de bain, mais c'est pas possible, il y a du monde dans la salle de bain. Du coup, opération se maquiller dans le couloir. Par contre, la lumière est jaune, mais on va gérer. On va gérer. On va prendre une chaise. D'ailleurs, faut que je me prenne une chaise parce que le truc est trop pâté. J'ai en fait, les cheveux, il faut pas que je machin. Il faut que ça puisse faire une petite bouclette là. Mmh, donc du coup c'est pour ça que j'ai mis là comme ça. En vrai le miroir est pris les gens. Le miroir est pris. Le miroir est pris. Word. Le miroir est pris. Elle est folle. Souriez, vous êtes filmé. Elle est trop nulle. La fille, on voit pas Aude pour l'instant. Pour l'instant. Le pour l'instant est bon. Oui parce que regarde, elle est là. Elle se cache. Elle est là. Voilà. Oh, I gotta go for mine. Or should I talk about a smile? Oh, what about a smile? I'm out of time. She's out the door. I gotta go for mine. Got to go see her. So they grab hold of my hand and let's pretend the flow is ours. They say you don't really dance. But if you just want to stop, now with the music is moving too fast. Now my head a little tighter. Don't be afraid to move a little closer. Girl, there's something about you that makes me wanna say. Oui, on est des belles gosses. I don't wanna tell you to drop me, but I don't wanna play your face.
Talking crazy, I need you right in my space, but I need it.